l'histoire d'Adrien Silencio et l'histoire d'un musicien de tango dans l'Espagne des années 30, qui est syndicaliste, républicain, et qui fuit le régime franquiste et trouve refuge en France, laissant derrière lui sa famille, qu'il pense revoir quelques années plus tard ou quelques mois plus tard, puisqu'on ne pouvait pas imaginer à cette époque-là que le franquisme allait durer 36 ans. On suit en parallèle l'expatriation de Cléo et l'exil d'Adrian, donc l'exil politique d'Adrian et l'expatriation plus professionnelle en 2015-2016 de Cléo. Mais cette expatriation, je dirais plus douce, en fait, va servir à la petite fille d'Adrian de miroir pour comprendre ce qu'a vécu son grand-père, puisqu'elle est elle-même loin des siens, toute sa famille est en France. Et donc, voilà, elle se sert de ce voyage, et on en vient même à un moment à se demander si, en fait, elle n'a pas provoqué ce voyage pour écrire cette histoire de ses racines. Je me suis inspirée de l'histoire de mon grand-père, espagnol, musicien de tango. Et je suis moi-même partie m'expatrier à New York. Et en fait, je dirais que, alors qu'il n'y avait pas vraiment de secret dans la famille, il y avait en tout cas du non-dit ou des zones d'ombre, des trous dans le roman familial. Et j'ai eu besoin J'ai eu besoin de légendes, j'ai eu besoin de scénarios pour, oui, à la fois, je pense, finir de me construire, transmettre quelque chose aux générations suivantes. Et les mots se sont imposés plus que les images, puisque je suis réalisatrice, je fais des films normalement, mais là, c'était vraiment les mots. Il fallait un récit. Il fallait, oui, je crois que tant qu'il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait pas de construction pérenne possible. Voilà. Donc la littérature s'est vraiment imposée. Au départ, je pensais que ce serait d'ailleurs plus une enquête familiale presque historique, quelque chose de plus objectif. Et puis la fiction est vraiment arrivée comme un... comment dire, avec tout son pouvoir consolant et très... finalement, c'était mieux que la vérité. La vérité n'était pas si importante que ça. Il fallait une légende, oui. Extraordinaire liberté dans l'écriture romanesque. Et c'est ce qui m'a complètement grisée. C'est la musique de la langue, c'est la poésie, c'est... la possibilité de multiplier les décors, les figurants, de passer d'une époque à l'autre. Donc ça, c'est extraordinaire et je dirais assez ultime. Et le cinéma, quand on écrit pour le cinéma, c'est déjà penser à la façon dont ça va être. Alors c'est différent quand on écrit pour soi, en sachant qu'on va réaliser, ou pour quelqu'un d'autre, mais quand même, le scénariste pense en images, donc la langue est assez sèche, il y a une économie de mots et on va à l'essentiel, et puis tout est prévu, c'est un puzzle, c'est extrêmement technique, alors que ce qui m'a plu dans cette écriture romanesque, c'est la part d'aventure, de mystère, même si j'avais une idée de la construction, mais l'idée de l'enquête et de ne pas savoir où ça allait me mener, ça a été très exaltant. Je vis de mon métier de scénariste et réalisatrice. Je serais ravie de pouvoir alterner, parce que j'aime la solitude de l'écriture, qu'il y a aussi dans le scénario, ce moment vraiment, mais qui a été très particulièrement fort dans l'écriture de ce roman, où j'étais complètement absorbée par ce monde, par cette époque, ces années 30, cette tourmente, cette musique, ça m'a complètement imprégnée. Et puis j'aime aussi le travail en équipe sur les plateaux, donc idéalement, si je pouvais continuer à alterner, ce serait merveilleux.